Madame, monsieur, bonjour, bonsoir. Moi, j'ai Info 9, c'est émission Chita. Tant de nouvelles, ça qui est entré à Kayo. Moi, c'est mettre info, quel que soit côté branché. Nous disons bienvenue sur le canal d'information sans force côté. Bon, information qui était dominée actualité à pour ce maintenant, c'est d'abord dossier assassinat. Maître Montferrier Dorval, bien gagné, juge Renaud Registe, qui lui-même, et qui s'est. Et alors, doyen, tribunal civil, Port-au-Prince-là, lui-même, l'y choisit, qui c'est le maître Bernard Saint-Ville, l'y choisit pour mener enquête, instruction sous dossier des assassinats qui étaient faits sous maître Montferrier Dorval. Donc, dans le rapport, eh bien, enquête DCPJ, qui c'est direction centrale la police judiciaire, qui remet par le commissaire gouvernement Port-au-Prince-là, la date 16 septembre, là, eh bien, DCPJ t'a demandé pour que bien yo arrêté plusieurs moun encore pour mettre sous l'autre moun yo déjà gagné dans mais on a quatre dossiers ça l'autre moun yo joine qui suspect parmi moun DCPJ mandé pour arrêter joine Mackinson Charles qui gagne Tino Cobra gagne tout et Gerson Laura et qui gagne Tino et Ti Luco Luco gagné Richelin Augustin avec et Tony Toussaint donc pour implication Johnny Toussaint pardon pour implication yo non présumé implication yo dans assassinat qui était fait sous maître Montferrier Dorval. Donc dans quatre dossiers ça la police déjà arrêté et quatre monde qui c'est Maudlaire Sénéjour, Valérie Dor, Dunes Villepic avec Mackinder Fizeme, donc qui est suspect dans le dossier SILA qui a participé dans l'assassinat qui était fait sous M. Montferrier Dorval. Déjà gagné 4 personnes qui arrêté et DCPJ, eh bien, dans le cadre de rapport, il remet mandé pour arrêter 4 autres personnes encore suspect dans le dossier. Donc, dossier enquête sous assassinat qui était fait sous maître Montferrier Dorval avancé tipa. L'autre information toujours dossier insécurité eh bien gagné et papa et Normil Rameau qui c'est directeur général à la police nationale d'Haïti qui relait Ribert Rameau eh bien yo levé joine monsieur mouri là dans mitan semaine là dans yon bassin noyé dans un bassin la Kaili li gagné disons l'âge 82 l'année donc gagné porte-parole police nationale d'Haïti Michel-Ange Louis Jeune monsieur dit eh bien d'après premier indice enquête DCPJ menée sous place eh bien yo priorisé thèse comme si c'est touyé ou tatouyé donc c'est un homicide puisque yo te joine bassin fermé alors que cadavre papa Normil Rameau qui c'est Ribert Rameau yo joine cadavre là en dans bassin de l'eau donc yo dit tout monsieur gagne 82 l'année donc il pas gagne toute faculté capacité physique li pour le déplacer c'est avec bâton le déplacer donc yo pas quoi il était capable lui-même faire action ça pour le mettre tête li dans bassin c'est ça que fait yo prioriser thèse eh bien homicide gagné l'autre gros information concernant question insécurité qui était frappé dans zone Port-au-Prince pendant la semaine ça c'est ancien commissaire principal Evans Morancy il a les rejoindre mouri dans commune Delma côté Neg Axam eh bien et qui monde pas identifié de tirer sur monsieur à bon machine eh bien monsieur lui-même il était mouri là pour là malgré il était gain zam sous lui il pas de chance pour que l'ité défende tête li d'après information et porte-parole police nationale d'Haïti Michel-Ange Louis Jeune li rapporté by la presse toujours dossier insécurité dans Port-au-Prince faut que nous dit où eh bien gagné une vague violence qui était et côté gagné une fusillade qui fait dans zone bas dans zone bas la lue poste marchand côté gagné pour pipiti gagné deux moun qui mouri yon te mouri sous place gagné yon l'autre lui-même qui t'a mouri sous cabane l'hôpital général donc dans fusillade ça qui était à bord une machine qui était tiré sous moun et pas si pas là et ben gagné 8 moun qui blessé donc 8 moun ça qui prend balle parmi yo gagné plusieurs boss ébéniste qui t'a travaille dans zone bas poste marchand bas et la lue poste marchand
qui ont même recevoir balle, donc qui t'allé prendre soin sous cabane l'hôpital. Donc parents victimes eux-mêmes ont dénoncé vague insécurité ça autorité eux ont dit eh bien qui eux-mêmes pas prend la vie monde pour rien puisque ils ont quitté vague insécurité à valer terrain dans pays d'Haïti alors qu'ils ont pas fait rien pour résoudre problème ça. Faut que nous disons que plusieurs autorités, plusieurs personnalités civiles qui ont même dénoncé vague violence qui établit dans zone Belay. Côté gagné, eh bien, zone Belay, Carrefour, disons zone Belay, Delma 2, et Delma 6, Monté, Delma 18, Solino, mais zone ça a presque tourné un désert à cause pas gagné personne monde qui fréquente yo, à cause zone moun, zone ça yo, eh bien, gang armé yo, acheté zone ça yo, l'argent comptant, donc population lui-même, li essayé by tête li et sécurité pâle dans le sens que li obligé rete la kaili li pa prend la rue après population dans zone ça te fin déserté quitter zone nan by bandio qui achete l'argent comptant ça gagné plusieurs semaines. L'autre information qu'on y a nous pral wè quelques informations qui gen rapport avec question politique. Eh bien, président Jovenel Moïse il était sous tribune Nations Unies et dans semaine nan la tout côté il était participé dans 75e session ordinaire Nations Unies qui était faite de façon virtuelle puisque coronavirus là pas bay droit pour en pile moun rassemblé. Eh bien, président Jovenel Moïse qui t'a participé nan rencontre ça, eh bien te fait qu'on est li pas satisfait de coopération internationale la question plusieurs milliards de dollars qui dépensés dans la question de développement dans le pays d'Haïti pendant 10 dernières années, mais pas gagné résultat qui visible, moun pa wè résultat yo, et c'est ça que fait li di, li plaide en faveur d'une coopération internationale, une aide internationale qui est capable de diriger et en fonction de besoins gouvernement lui-même li gagné. Donc c'est ça président Jovenel Moïse lui-même lui fait connaître la tribune sous tribune Nations Unies dans 75e et assemblée session et ordinaire Nations Unies qui était faite année cela. L'autre information qui était dominée actualité à information brûlante, information politique, c'est installation disons 9 membres nomination à installation 9 membres conseil électoral, nouveau conseil électoral provisoire, qui lui-même, eh bien, c'est un coup de tonnerre qui fait dans la société, puisque en pile, disons, différentes classes sociales, politiques et même économiques, eh bien, yo et pas d'accord avec nomination arrêté chef l'État qui nommait nouveau conseil électoral provisoire pour compte lui. Avec tout, eh bien, non seulement nommer le conseil électoral provisoire, ça, l'Italie pour le prendre bénédiction, pour le déjoindre aval la cour et cassation, pour le prêter serment dans la cour cassation. Mais juge la cour cassation, qui a gagné différent l'idée sous question 1, eh bien, pas de gain quorum pour que vous soyez capable de faire session, pour que vous sermenter, prêter serment. Et c'est comme ça, et 9 membres KIP à Talbout, direct, dans le palais national, côté président Jovenel Moïse, investi dans le poste, il a une mission pour le faire élection, et d'après, et ça, président Jovenel Moïse dit, avec tout, mission pour que il fait une réforme dans la constitution pays d'Haïti. Donc, faut que nous disions, ça a soulevé gros débat, gros bouche l'ouvrir et un gros levé bouclier dans la société haïtienne qui n'est pas d'accord avec la décision. Ça, président Jovenel Moïse prend, ou une classe politique là, ou une société civile là, une opposition démocratique là, groupe organisé, gagné tout, organisation douamoun, même secteur, et même secteur qui proche pouvoir, et bien lui-même, il a désapprouvé décision ça, président Jovenel Moïse prend pour le mettre campé. Conseil électoral provisoire. Donc, gagné le plusieurs groupes organisés, Jean Dioli, avec l'autre institution,
dans la société civile là, tant que, disons, qui mandait la Cour supérieure des comptes à contentieux administratif pour que l'I, eh bien, pas approuvé budget et pour un nouveau conseil électoral provisoire ça, gagner tout barreau et avocat Port-au-Prince avec barreau dans 18 juridictions, la justice gagne dans le pays d'Haïti qui mandait pour, eh bien, et la Cour cassation lui-même pour que l'IPA approuvé et nomination et pour pas accepter que nouveau conseil électoral provisoire prête serment devant yo d'après ça yo fait qu'on est pour désapprouver mes décisions chef l'État lui-même qui prend et unilatéralement décision mettez campé conseil électoral provisoire ça et yo fait qu'on est Kevin et porter une crise tête chargée qui vient mettre crise sur crise puisque le pays a été déjà en crise. Faut que nous disions que plusieurs partis politiques, tant que OPL, Mokrena, secteur démocratique et populaire, Fusion sociale démocratique, AAA, parti Yuri Latortia, Unifos, Paul Denis, et pour ne citer ça seulement, eh bien, yo toutes mettez ensemble, yo mettez d'ailleurs yon note pour yo di, eh bien, yo scandalisé devant des décisions ça, président prend pour mettre campé nouveau conseil électoral provisoire ça, yo dit qu'il y a un choc pour yo. Donc puisque yo dit c'est une décision unilatérale qui pral la GPIA nan plus crise. Donc pour parti politique ça, yo président Jovenel Moïse, il est coupable de ça relé haute trahison et qui méritait pour le juger et à cause eh bien li enfragé les constitutions pays d'Haïti d'après ça eh bien parti politique ça eux même yo fait qu'on est et par rapport à décision chef l'État qui mettait campé conseil électoral provisoire si là toujours dans même dossier Renaud Georges dans le cas de réaction yo et bien lui-même li non seulement réaction mais il a porté une action tout la fait une action tout puisque li dit li a tenté une action en justice à travers direction générale impôt contre président Jovenel Moïse avec premier ministre Joseph Jout et toutes 9 membres conseil électoral provisoire. Donc mais Renaud Georges fait connait c'est parce que papier timbré a pas arrivé dans DGI et attend c'est ça qui fait eh ben a gagné c'est ça pour faire lundi et demain là et pour que yo eh ben casser décision chef l'État arrêté présidentiel ça qui nommé nouveau conseil électoral provisoire ça il dit qui a gagné pour faire réforme dans constitution pays à élection alors que il dit constitution pays a dit qui gens pour que yo fait quelque soit réforme yo t'a faire là-dedans l'autre information qui était dominé actualité semaine là c'est débattement ministre public transport et communication ingénieur Joasius Nader dans la cour supérieure des comptes à contentieux administratif côté eh bien il était débarqué grand journée grand après-midi avec un groupe civil armé d'après le président de la cour supérieure des comptes là Rogaville Boakene qui lui-même t'a demandé concours et la presse avec la population pour une vote le secou par rapport à débattement ça et que Rogaville Boakene qui c'est président de la cour a dénoncé et intervention ça intrusion ça et sans que ministre de la République la pat annoncé que l'étape venir dans bureau donc Rogaville Boakene dit et que le ministre de la République a franchi plusieurs étapes qu'il pas dû franchir dans bureau sans que l'il pas invité alors que gain akli un groupe monde armé et groupe civil armé avec journalistes qui t'a fait photo fait image et espace qui pas doué et filmer qui pas doué faire photo en dedans et la cour supérieure des comptes à contentieux administratif. Donc c'est premier ministre Joseph Jout Rogaville Boakene président de la cour a été relé qui lui-même t'a invité l'ordre non question mais qui était capable de permettre premier ministre qui était capable permettre ministre travaux publics là lui-même il était quitté espace là pour le défendre tête lui-même ministre travaux publics là il était réagi dans la presse et bonnet au lendemain pour le dire et bien c'est un lot dossier qu'elle était porté dans main et qu'elle était porté
que messager yon de messager était trop petit pour porter dossier ça yo, et l'estimer faut que dossier était arrivé à bon port et c'est ça que frère il était franchi et il a gagné une sécurité qui était invité l'entrée et l'entrée là constaté effectivement si dossier yo même yo arrivé à bon port yo arrivé déposé puisque c'est des dossiers sensibles d'après ça il dit qu'il y a un rapport avec contrat électricité président de la République là et avec disons l'État haïtien qui engageait une firme qui compagnie générale électrique pour bail courant 24 sur 24 dans le pays d'Haïti et dans la même occasion ça faut que nous disions ça fait un gros tollé il y a un journaliste radio télé guinéen qui est Samuel Dalman qui lui-même et bien dit ici big gros et pression gros attaque physique et avec verbal et non la cour cassation n'a même quelques employés non pardon dans la cour supérieure des comptes n'a même quelques employés dans la cour supérieure des comptes et au lendemain directeur radio télé guinéen qui était accompagné des journalistes Samuel Dalman et bien il a porté plainte la justice pour X pour et bien préjudice c'est que il estimait et la cour quelques membres non la cour a été fait journaliste là quelques membres et institution la cour supérieure des comptes a été fait Samuel Dalman qui est journaliste radio télé guinéen. L'autre information ce maintenant encore c'est eh bien et policier Jean-Pascal Alexandre qui rejoint libération là après plusieurs mois li passé dans prison donc et finalement t'est paraître devant juge naturel li et pour la première fois eh bien juge là lui-même Renaud Registe et qui lui-même t'est tendu li t'est décidé la game monsieur à condition monsieur a gagné pour paraître encore devant la justice le 5 octobre qui a venir là. Donc, juge Renaud Registe, il commençait son juge qui commençait à faire tendre par les délits puisque il a gagné Pascal Alexandre. Donc, c'est même juge ça, Renaud Registe, et que, eh bien, doyen tribunal civil Port-au-Prince, M. Bernard Saint-Ville, lui confier, lui remettre dossier enquête cap mené sous assassinat qui était fait sous maître Montferrier Dorval. Donc faut que nous disions c'est après en pile et parler en pile groupe policier qui les tête au fantôme 509 était fait dans Port-au-Prince en pile crasé brisé et bien pour te joindre libération Jean-Pascal Alexandre qui c'est collègue avant ça. Il était manifesté pour demander libération cinq collègues Udmoyo et que il estimé il était fermé la police autorité la justice dans le pays d'Haïti était fermé dans la prison et bien peut-être il était voyé à veiller caille mettre Montferrier Dorval après il était fini tout et bien et d'après ça il dit et que il était déplacé donc scène crime n'a devine souillé alors que policiers eux-mêmes ils étaient dit là ils étaient arrivés pas de personne monde 3 jours après pas de policier qui était sur place qui t'a pas surveillé Kaye Met Montferrier Dorval. L'autre information, le ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle qui annonçait examen officiel lié à Tamin sorti 12 pour arriver 23 octobre cap venir dans sens ça autorité a annoncé gagner coup rattrapage cap fait à partir de demain lundi à et tout partout dans zone Port-au-Prince pour élèves qui pour aller dans examen officiel yo et coup rattrapage ça yo a duré 2 semaines. L'autre information que Banque nationale République d'Haïti qui a annoncé la mettre en application bien circulaire 114-2 qu'elle était mettait d'ailleurs ça gagne environ 2 mois qui était côté il demandait pour que eh bien quel que soit l'argent le monde gagne qui sorti à l'étranger c'est en good ou à toucher l'argent ça dans bureau transfert avec dans banque commerciale donc circulaire ça la rentrer en application et dans date 1er octobre là donc d'après ça banque centrale fait qu'on est donc c'est en good quel que soit l'argent ou gain qui sorti à l'étranger mais c'est en good ou à toucher. Donc seul moyen qui faut toucher l'argent en dollars c'est si vous gagnez un compte eh bien dans institution ou bien dans banque vous voyez l'argent pour vous faire transfert direct pour vous sous compte.
Décision ça, eh bien, il n'est pas fait, bureau, propriétaire bureau transfert est content du tout. Et c'est pour ça, pour protester contre décision BRH là, mais il a annoncé à partir dimanche 27 septembre, jeudi, il a campé tout bureau transfert pour protester et pour demander forcer BRH de tourner sous décision ça, il prend pour le mettre en application. Ce qu'il est 114-2 et à partir 1er octobre, Jean Keyo annoncé là. Donc, propriétaire bureau transfert, au fait qu'on est, eh bien, c'est une décision qui visait mettre en chômage tout le monde qui travaille dans le bureau transfert dans le pays d'Haïti. Et eh bien, pendant que vous avez décidé de prendre l'argent et monopoliser le dollar en dans la banque, et puis vous voyez tout le monde qui travaille dans le bureau transfert dans le chômage. Association propriétaire pompe gasoline yo même sous bon côté pa yo annoncé yo pral et fait yon campé pendant semaine nan la et à partir de disons dans 2 à 3 semaines y a campé et pompe yo y a fermé toute pompe yo gagné dans pays d'Haïti yon façon pour protester contre APPE qui c'est association li même qui distribue pétrole dans pays d'Haïti. Mais peut-être yo prend là une décision unilatérale pour que yo décide pas bailler propriétaire pompe ça yo yon ristone que yo te konn bailler yon l'argent yo te konn bailler dans cadre et support appui yo bailler la question gestion dépenses yo fait dans pompe gasoline yo. Donc yo décide yo prend décision ça unilatéralement yo pas bailler ristone nan encore et donc malgré ça yo forcé pour rester dans contrat que yo te gagné avec yo pour que yo continue vendre gasoline produit pétrolier. Donc yo décidé association et propriétaire et pompe gasoline qui c'est une nouvelle association qui fait prendre naissance et bien li annoncé la campé dans 2 à 3 semaines pour protester contre décision ça et demander et responsable APPE pour tourner sous décision ça. Donc yo dénoncé décision ça qui visait mais d'après eux et APPE prend mais pour faire liquider pompe gasoline yo à bon marché by même APPE pour retirer et bien secteur ça qui lui-même qui c'est classe moyenne qui gagne pompe gasoline yo et même pour yo voyer tout dans chômage les eux-mêmes yo va acheter pompe yo et puis accaparer yo retirer et propriétaire pompe gasoline yo dans question vente gasoline dans business gaz là dans le pays d'Haïti. Auditeurs, téléspectateurs, chers internautes, c'est là nos campés avec revue Actualité Semaine. C'était Zamio Frère.